monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer comment faire des mèches de couleurs sans vraies couleurs. Il suffit tout simplement d'avoir des pastels. Je ne saurais vous dire si c'est des pastels grasses ou des pastels sèches. C'est quelque chose de très, très facile à faire et en fait ça va hyper vite. Donc c'est une manière très simple de se faire des mèches de couleurs. Donc pour vous faire ces mèches de couleurs, il vous faut juste des pastels et une brosse normale et du papier. Vous verrez pourquoi. Donc on va commencer. Alors première étape, tout d'abord vous devez bien vous brosser vos cheveux. Deuxième étape, c'est de choisir votre couleur de pastel et de choisir là où vous voulez l'appliquer. Pour ma part, j'ai choisi de l'appliquer sur mes pointes, mais vous pouvez bien sûr l'appliquer sur une de vos mèches ou plusieurs mèches, c'est comme vous voulez. Ensuite, prenez votre papier et posez vos mèches sur votre papier. Ensuite, vous prenez votre pastel et vous coloriez votre mèche à la verticale. Ensuite, quand vous avez fini de vous colorer vos cheveux, vous prenez votre brosse et au-dessus du lavabo, sinon vous allez en mettre partout, vous vous brossez les cheveux pour enlever le surplus. Ensuite, dernière étape, lavez le lavabo, sinon votre maman ne va pas être du tout contente. Et voilà, c'est terminé. Cette vidéo vous aura plu et pour celles qui se demandent ou qui se disent que cette technique de couleur de cheveux abîme les cheveux, je peux vous dire que ça n'abîme pas les cheveux autant que si vous allez faire une couleur normale. Pour celles ou pour I qui se demandent comment ça part, que ça part dès que vous prenez votre douche, voilà, ça peut rester tant que vous ne lavez pas vos cheveux, ça reste sur les cheveux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Bye bye.